Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous la Beautiful Box du mois de novembre. Alors, j'en peux plus, j'ai cru que j'allais vraiment jamais faire cette vidéo parce qu'en fait, on est presque en décembre puisqu'aujourd'hui on est le 28. Et donc je devais recevoir ma box de novembre vers le 15 novembre à peu près. Et en fait, le facteur n'a pas trouvé mon adresse alors que j'habite ici depuis que je suis née, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas trouvé et il a renvoyé mon colis à l'expéditeur. Donc il a fallu qu'il me renvoie ma box. Donc ça a été super long et je l'ai reçu seulement vendredi. Donc je viens d'aller le chercher à la poste. En plus... Donc je vous la sors et la box de ce mois-ci, le thème c'est le chocolat. Donc je l'avais vu sur les réseaux sociaux et j'étais là en mode je veux ma Beautiful Box chocolat et j'étais tellement triste de pas la recevoir. Donc ça y est, elle est enfin arrivée. Elle est genre waouh, vachement trop canon. J'ai été spoilée de deux produits qu'il y a à l'intérieur et que je suis trop contente d'avoir, mais je vous dis rien. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a d'autre quand même. Donc ça va, je vais découvrir tout ça avec vous. Alors, ouh, il y a plein de trucs. Je sais pas par quoi commencer. Alors mes chats ils sont affolants. C'est pas pour vous. Donc on a comme d'habitude un petit pochon. Et cette fois il y a du chocolat partout. C'est trop mignon. Je crois que je vais fermer la boîte. Genre ça sent bon ou quoi? Stop. Alors à l'intérieur nous avons un crayon je suppose. Oui, un crayon pour les yeux marron. De la marque Beautiful, faut vraiment que j'achète un taille crayon parce que j'ai pas de taille crayon. Mais c'est cool, j'espère qu'il s'applique bien parce que moi je suis chiante avec les crayons, j'aime pas quand ils sont trop secs. Moi j'espère de cette box qu'il y a un rouge à lèvres marron. S'il vous plaît, je veux un rouge à lèvres marron parce que sans déconner, chocolat. Ah! C'est la première fois que je vois du papier bulle dans les fards à paupières et ça c'est cool parce que je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est la deuxième box que j'avais reçue. J'en avais reçu deux donc je vous en avais fait gagner une et en fait quand je l'ai envoyé à la personne qui avait gagné, ben son fard à paupières est arrivé abîmé. Donc je crois qu'il s'était cassé, donc c'était super nul quoi. Enfin, j'étais déçue pour elle. Donc là c'est bien si ils se mettent à bien emballer leur truc. Donc c'est un fard à paupières Beautiful Dark Amber. Donc ça a l'air d'être un beau cuivré. C'est cool franchement, les fards à paupières Beautiful, c'est le troisième que je reçois. Ils sont super bien. Moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avons un vernis Beautiful qui s'appelle Miss Fancy, c'est un nude. Donc ça c'est chouette parce que c'est ce que je veux en ce moment du nude. Là j'ai rien sur mes ongles donc ça tombe bien. Celle elle est partie avec le papier bulle. Et le dernier truc, oh dites moi qu'il est marron s'il vous plaît. Est-ce que c'est marron? Je ne sais pas. Rouge à lèvres caramel latte. Oui, donc normalement il est marron. Ah ça c'est cool parce que vraiment je voulais trop un rouge à lèvres marron. J'ai hâte de l'essayer. J'ai jamais eu de rouge à lèvres de la marque Beautiful encore, donc c'est l'occasion de voir. Bonjour. J'ai du rouge à lèvres. J'ai du rouge à lèvres. Donc c'est tout pour le pochon. Ensuite je vais ouvrir, enfin je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre dans cette box. Alors on a
Voilà, c'est ça que j'avais vu. Donc une huile sèche, soin réparateur, visage et corps. Donc ça atténue les cicatrices, les vergetures, peau sèche et abîmée, teint irrégulier et vieillissement cutané. Donc ça, c'est cool. Et c'est à base de beurre de cacao. Donc c'est trop chouette. Parce qu'en fait, j'ai les jambes pleines de cicatrices. Je suis un vrai boulet en fait. Et donc, je vais voir si ça marche vraiment. Est-ce que ça sent bon? Ah ouais, ça sent. Non, ça sent le cacao, truc de fou. C'est chouette. Bon, du coup, j'ai l'air un peu con d'en mettre sur mes jambes. Voilà. Merci Léa. Bon, ça, c'est vraiment bien. En plus, le format est cool. Hein. Je vais en avoir pour longtemps parce que ça dure super longtemps. Je crois que mon chat aime bien aussi. Il aime bien ? Ça sent bon ? Ensuite, nous avons. Pousse-toi. Le deuxième produit que j'avais vu, c'est normalement un masque pour le visage au chocolat. Donc j'ai vu ça sur leur Instagram. J'étais genre. Oh my god, le bonheur. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui! Voilà, c'est ça. Masque au chocolat chaud, doux, nettoyant, chauffant. C'est trop cool. Vous avez jamais rêvé de vous faire un masque au chocolat, sans déconner. Je vais avoir l'air super con, mais c'est trop cool. En fait, je me suis rendu compte que le masque de la dernière fois, je ne l'ai pas essayé devant vous, du coup j'ai pas pu vous dire ce que j'en pensais. C'était le masque de la marque Beautiful. Qui est un masque chauffant au cranberry, je crois. En fait, c'était un super grand sachet comme ça. Donc, je l'ai gardé super longtemps. J'ai utilisé 4 fois, je crois. Et en fait, c'était super bizarre parce que dès qu'on le mettait sur la peau, il chauffait. Donc, c'était tout chaud et il y avait plein de billes donc pour faire un peeling. Et ensuite, c'était à garder, je crois, je sais plus, mais plusieurs minutes avant de rincer. Et franchement, il était super bien. Donc, pour celui-ci, ce que je vais faire, c'est que. Une fois que j'aurai fait le tuto make-up et que je me serai démaquillée, je le ferai et puis je vous montrerai comme ça, je pourrai vous dire tout de suite ce que j'en pense. C'est pas fini, donc on a aussi... Oh, ils sont trop mignons, ils ont mis des chocolats. Alors, on a 2 chocolats mint et on a un marshmallow au chocolat. Ça, c'est mignon. C'est déjà plein de bouffe, c'est trop cute. Je me languis de voir celle de Noël. J'ai vu qu'apparemment elle était toute brillante, je ne sais pas. Et donc comme d'hab, on a des tatouages temporaires. J'aime bien celui-là. Ils sont assez discrets, c'est joli. Peut-être pour un tour de bras ou au poignet, ça peut être chouette. Je suis trop contente parce que vraiment le rouge à lèvres, je l'attendais trop. Je me suis dit mais c'est obligé. Et puis les produits au chocolat, c'est super original et ça fait tellement longtemps que je vais en essayer. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, je l'attends juste box. Hein. Franchement, j'en pouvais plus. Donc enfin. Donc voilà, maintenant je vais passer au tuto make-up. Alors je m'excuse d'avance pour la luminosité, mais là j'en peux plus, je suis en face de ma fenêtre. Il est 14h45 et il fait déjà nuit, donc ça me saoule. J'ai déjà fait mon teint, donc je vais commencer tout de suite. Donc si je suis les instructions pour le tuto, je suis censée faire le masque avant de faire le maquillage. Mais je trouve ça bête puisque je vais purifier ma peau et ensuite je vais l'étouffer avec du make-up, donc c'est un peu stupide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le tuto maquillage et ensuite j'irai me démaquiller et je me ferai le masque et puis je laisserai ma peau respirer jusqu'à demain. Je pense que c'est un petit peu mieux. Donc on va commencer par l'étape 2. On va appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile, si j'arrive à l'ouvrir.
Alors franchement je le trouve super, il est vachement pigmenté et puis il est super facile à appliquer, donc ça c'est cool, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup chez Beautiful, c'est leurs fards à paupières, ils sont juste trop cool. Ensuite l'étape 3, on trace un trait de crayon sur les cils supérieurs. Je crois que je vais en mettre aussi au cil inférieur parce que j'aime bien ce crayon. Bon, ça va, je l'aime bien, il s'applique assez bien. Et puis j'avais plus de crayon marron donc c'est chouette. Ensuite on passe au rouge à lèvres, donc j'espère qu'il est vraiment marron. Il est pas marron, il est plutôt nude mais il tire quand même vers le brun. Et franchement il est super facile à appliquer, il est tout crémeux, donc j'aime bien. Puis il est assez discret donc je pense qu'on peut le porter un peu avec n'importe quoi. Pour l'étape 5, c'est le vernis à ongles. Voilà, j'ai appliqué le vernis. Alors, une seule couche suffit, il couvre super bien. Je l'aime beaucoup, il est vraiment nude quoi, genre parfait, rien à dire. Donc je suis super contente, par contre je suis dégoûtée. J'avais les ongles hyper longs et je les ai cassés en ouvrant la porte des WC au lycée. Non mais ridicule. Bref, on s'en fout, mais donc j'ai des ongles courts et pas beaux, je suis triste. Donc voilà, le tutoriel de ce maquillage est terminé. Dites-moi s'il vous plaît. Moi je le trouve plutôt sympa. Enfin, il est assez neutre, mais j'aime bien les couleurs. Puis franchement, les produits de Beautiful sont de bonne qualité. Je vous avais dit que j'hésitais vraiment à m'abonner à une box. Bah, je suis pas déçue. Je paye quand même que 15€ par mois et j'ai plein de produits super cool. Donc c'est vraiment chouette. Je vais aller enlever tout ce maquillage et du coup je vais vous montrer le masque au chocolat, donc vous allez pouvoir vous moquer de ma tête. Voilà, je suis super sexy, n'est-ce pas? Donc je viens d'appliquer le masque au chocolat. En fait c'est une tuerie, genre c'est super chaud même là, genre ça fait quelques minutes que je l'ai appliqué et c'est encore chaud. Donc ça sent le chocolat et l'orange. Et c'est super agréable, bah déjà l'odeur est trop folle et en plus franchement ça chauffe partout et c'est trop cool, j'avais jamais essayé. Le masque de la dernière fois il chauffait quand on l'appliquait mais ensuite il refroidissait, mais celui-là il reste vraiment chaud, donc c'est marrant parce que quand on prend sur les doigts c'est froid et dès qu'on l'applique ben hop c'est chaud et je sais pas comment ça marche mais c'est trop cool. Donc je vais le laisser poser 15 minutes et puis je reviens. Voilà, donc j'ai enlevé mon masque. Franchement, il était super agréable par l'odeur et puis la chaleur et tout. C'était super cool. Du coup, j'ai la peau toute douce et on voit bien qu'elle est bien nettoyée. Donc je suis super contente. En plus, il y en a vraiment beaucoup dans le sachet. Donc je pense que je vais pouvoir en refaire encore un ou deux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la lumière jaune, mais il fait nuit dehors, ça y est, donc j'ai allumé ma lampe. Si vous voulez découvrir la box du mois de décembre avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.